Bonjour à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce 45e épisode de Let's Play sur The Witcher. Nous sommes donc vers les bords du lac. Il y a toujours Alvin qui nous suit, malheureusement. Mais là, on va essayer, et je dis bien essayer, de continuer dans les quêtes secondaires. Donc d'abord, on va aller jusqu'à la crypte. Voir si on trouve pas d'autres indices pour l'armure dont Berengar nous a parlé. Heureusement, Alvin ne va pas nous suivre dans la crypte. J'espère que c'est celle-là. Ok. Alors ici, on ne peut pas y aller, c'est bouché. Et là-bas, c'était bouché aussi. Bon, est-ce que j'ai fait bugger le jeu? Il y a une possibilité que oui. Un sarcophage juste là et c'est tout. Anneau d'argent. Achat de main de... Makam. Alors, lait de vache, je vais jeter et je vais prendre l'anneau d'argent à la place. Cadavre mutilé. Il y a juste un poisson. Il y a une malle dans le fond. Il n'y a plus rien dedans. Donc, ça n'a pas l'air d'être ici. C'est pas grave, au moins on aura vu, on aura fouillé. J'ai reçu une armure hein, de la dernière fois, mais... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Alors... Là, elle est là. Pièce d'armure, article de quête, une pièce d'armure faite d'un alliage rare, elle a l'air très ancienne. Allez, on remonte alors et donc ça devrait être dans l'autre crypte qu'il faut aller fouiller après cette armure. Donc là, on va aller voir le roi pêcheur pour lui donner la lettre. La lettre pour Shani. Et ensuite, on va aller du côté des champs. Alors, il y a Berengar, est-ce qu'il nous parle lui avant? Ah oui. J'ai la nette impression que vous me cachez autre chose. Quelle perspicacité. Un dernier aveu alors. La salamandre m'a envoyé à la poursuite d'Alvin. Il compte beaucoup pour eux. Je n'ai pas l'intention d'obéir. Dès que j'aurai gagné quelques orins, je disparaîtrai. Vous ne savez rien de plus sur l'attaque de Kaer Morhen? Sur les formules dérobées aux sorceleurs? Je vous ai tout dit. Une dernière faveur. Ne vous approchez pas d'Alvin. Ah oui. Adieu. Une dernière faveur, ne vous approchez pas d'Alvin. Il est juste derrière moi, c'est tout. Oui, Alvin? Non? Il a décidé de... De bloquer ou... Oui. Bon, c'est pas grave. S'il le kidnappe, moi... Voilà, quoi. Bon, ça va faire du chagrin pour Shani, mais... D'un autre côté... Alors, on va essayer de voir si le prêtre Dianeuil veut me parler. Roi pêcheur. Il était là, je l'ai vu.
Il est là. J'aimerais faire parvenir une lettre à Vizima. Merci. D'accord. J'ai du mal à trouver un compromis acceptable pour les humains et les Vaudianoï. Vous croyez que la Dame du Lac m'aiderait? J'irai lui parler. Au revoir. Je dois aller voir la Dame du Lac. Alvin, il est derrière moi maintenant. On va aller voir le prêtre Vaudianoï. Ah. Je sais quelque chose que vous ne savez pas. Quoi donc? L'homme poisson rigolo est revenu. Ces méchants êtres poissons ont fini de manger sur l'autel de la dame. Dégoûtant. Le prêtre Vaudianoï est revenu. Il faut que je lui parle. D'accord. Bon ben... Justement, on y allait. Il est là, ok. J'ai repris la mission de Berengar. Parlez-moi de ce conflit. Nous, sous l'eau vivre, profondeur. Non, dames vénérées, mais pas tous. Beaucoup Dagon préférés. Il me tue. Faut votre glaive Dagon désaimé. Je récompense. Je vois. Vous, village grosse vache ramenée. Dagon venir, vous, lui désaimé, je récompense. Glaive fantastique. Oula. Je peux enlever la vache et m'en servir pour appâter Dagon? Vous, grosse vache sur autel désaimé, Dagon sortir. Je dois la sacrifier sur l'autel? Vous, humains, sacrifice préféré? Pas beau, non? D'accord. Je traîne la vache jusqu'ici et je tue Dagon. Pardon? D'accord. J'ai vu des Vaudianoï hostiles sur le rivage. Dagon, méchant! Détruire hôtel d'âme, eux vouloir. Moi fuir. Maintenant dans haut, eux. Je hôtel encore gardé. Ok. Je ne suis pas gardien de troupeau. Comment je vais l'attraper, cette vache? Vous, fruits et noix offrir. Grosse vache, beaucoup aimée. Des fruits et des noix? Ces paysans sont malades. D'accord, je vais aller chercher la vache au village. Ils disent qu'elle aime les fruits et les noix. Très bien. On va aller parler à la dame du lac. Pour cela, il faut qu'on prenne le bateau. Le bateau est là-bas. Ok, on passe les cinématiques, hein, on les a déjà vues. On y est. Dame du lac. Oui? Belle dame, vous avez l'air pensive. Parfois, je vois l'avenir, sorceleur. Le destin a tissé sa toile autour d'un sorceleur. Son chemin le conduit vers un avenir sombre, plein de tristesse et de douleur. J'aimerais l'aider à survivre. De qui s'agit-il, belle dame? De vous ou de Berengar? Parlez-lui, et que l'un de vous prenne sa destinée en main. Je préfère l'éviter. D'accord. Oui. Belle. Parfois le de vous. Je parlerai à Berengar. Très bien, encore une quête.
Oui ? Belle dame, j'ai eu une révélation et je souhaite entreprendre une quête. Geralt, je vous préviens. Une mission de la plus haute importance. J'apporterai la coupe sacrée au roi pêcheur. Il sera guéri et avec lui toute la contrée. Vous avez mérité mon estime, Geralt de Rive. Je vous adoube sur le champ. À partir de ce jour, vous serez Sir Brakmar. Mes belles dames, vous ne comprenez pas. Mais si, messire Brakmar, je vous comprends très bien. J'aurai donc un autre calice dans ma collection. Je n'entraverai pas le destin. C'est sans tendresse particulière que je vous fais mes adieux. Non mais sérieux. Oui ? Belle dame, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? L'harmonie de mon pays est en péril. Les humains et les Vaudianoï se querellent par avidité, peur et ignorance. J'imagine que chaque camp a son meneur. Effectivement. Parlez donc au prêtre Vaudianoï près de ma statue. Et à Julian, qui a de l'influence sur les humains. Je m'en occupe. Lequel a raison ? Il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort. Je veux les réconcilier. Alors vous devrez tuer Dagon. Apportez-moi des objets symboles d'harmonie chez chacune des deux communautés. Je reviens au plus vite. La statue vous révélera des indices sur la nature de ces objets. Je vais fafouiller par ici, hein. Il y a un feu de camp juste là. Je ne peux pas méditer lorsque le feu est éteint. Je dois d'abord le rallumer. Feu de camp ici, ok. Il n'y a pas grand chose sur cette île à part des animaux. Il y a des wyvernes. Hôtel de Dagon. Une caisse. Il y a des wyvernes. Bon, on va laisser les wyvernes tranquilles. Et on va retourner sur la terre ferme. Je ne peux pas méditer lorsque le feu est éteint. Voilà. Je dois d'abord le rallumer. Je sais bien, mais c'était juste pour pouvoir pointer le feu sur la carte. D'accord. Allez. Ouais, je suis obligé de faire le tour. Voilà. Un bateau est là-bas. On retourne de l'autre côté. Alors, on va aller revoir le prêtre Vaudianoï pour lui dire d'accepter un compromis. La dame du lac veut aider à la résolution du conflit. De quoi ? La dame du lac veut que les Vaudianoï vivent en paix avec les humains. Et tuer leur vache préférée ne va pas dans ce sens. Mais comment Dagon désaimé ? Je m'en charge.
Donnez-moi... Vache idée meilleure, mais à la dame obéir, vous prendre. Zut. Je ne sais pas. Un veau d'or. On parlait de vache, donc un veau. Un bâton de prêtre. Je vois pas trop ce que la statue peut me dire. Des serpents et des poissons. Ouais, je ne sais pas. Sérieusement, voilà quoi. Ok, on va retourner jusqu'au champ. Aller dans la crypte des champs. J'ai semé Alvin. Allez. Donc tout droit. Ah, les elfes sont dehors. Ils ont l'air un peu plus... Non ? Allô, allô ? Tu veux pas parler, d'accord. Je sens la mort qui approche. J'ai apporté à manger. Nous devons accepter. Merci, Gwynblade. J'ai compris. En échange, je vous parlerai des racines de Mandragore et des fibres de Han. Deux plantes très efficaces. Aha ! Nouvelle entrée, ingrédients. Han. Racine de mandragore. Je vous soupçonne de m'avoir laissé gagner. Absurde. Délaisser ces baies pour quelque chose de plus constructif. J'y penserai, si aucun événement dramatique ne se produit. Adieu. Partez, douane. J'ai apporté de la nourriture. Je refuserais si la faim ne me tenaillait pas tant. D'accord, et bien on va aussi lui donner... Une tranche de viande bien juteuse. Merci, Gwynblade. La faim est mauvaise conseillère. En remerciement, je vais trahir pour vous les secrets des elfes en herbe rustique. Ah, c'est bien ça. Blanc. Enfin, ça rajoute rien. Merci. J'ai compris. En échange... D'accord. Alors, il y a Toruviel. Est-ce qu'elle va me parler maintenant? Oui. Non. Adieu. Ils ont déjà l'air en meilleure forme, étant donné qu'ils peuvent sortir pêcher. Non, c'est juste un loup. Allez. Voilà. Très bien. Le chemin, c'est là. Enfin, il me semble.
par là. Feu de camp et cadavre là-bas. Si d'énergie on connaît. On va aller voir le cadavre. Voilà. Je ne peux pas méditer lorsque oui, le feu est éteint. Comme ça il est. Je dois d'abord le rallumer. Comme ça il est marqué sur la carte. Et ici on passe dans les champs. Alors on va aller dans la crypte des champs. C'est parti. Qu'elle était morte, mais non. Hop, non, je me suis trompé. Voilà, c'est quand même mieux avec les grosses attaques. Très bien. Ah bah c'est beaucoup mieux ça. Manger pour régénérer le raisin, comme ça ça me libère une place. Alors on va aller dans cette crypte. Normalement j'ai déjà nettoyé, donc il devrait pas rester d'ennemis ou très peu. Non, c'est bon. Voilà, une alpire. Ah. Elle, c'est du rapide ou rien. Une hirondelle, parce que là c'est vrai que allez, un élixir de chat rubédo permet de voir dans l'obscurité absolue totale. Ok. Alors, elle boule. Mince. Allez, c'est pas lui que je veux, c'est lui.
il est facile à tuer. Voilà. Comme ça, il n'y a plus que le décharneur. Et là, je me fais plus de dégâts. Même s'ils font pas énormément non plus. Mon élixir d'hirondelle arrive à contrer. Allez. Allez, recule un peu là parce que sinon, je sais pas faire mes combos correctement. Ah, j'étais pas sur la bonne épée. C'est pour ça que j'ai aussi dur. Et hop, voilà. Oula, attention. Ah oui, c'est beaucoup plus facile avec le bon glaive. Hein. Ça va tout seul. Ok. Alors, elle pire. Ah oui, c'est un hôtel sanctuaire des farfadets. Ah, raté. On recommence. Voilà. Non, rien du tout. Ok. Dans la malle, il y a une torche. On s'en fout. J'aime les faire courir. Comme si j'allais les tuer. Enfin bon. Non. Ok. Il y avait quoi là? Il reste. Que je ne peux toujours pas prendre. Ok. Al Ghul. Voilà. Les Al Ghul, ça va tout seul, hein. Travers, c'est un peu plus compliqué. Ah zut, j'étais trop vite.
trop vite encore une fois. Voilà. Très bien. Encore un gravaire. Allez, hop, hop, hop. Ok. Un autre. Et paf. Voilà. Les crônes noctules. Alors par ici, rien de plus. Une algoule, ça va vite être réglé. Voilà. Et ici, je ne sais rien faire. Bon, ben, faut croire que c'est l'armure que j'avais déjà et que j'ai bloqué la quête parce que je l'ai pris avant. Dommage. Bon, alors, on repart par là, on sort. Et on doit trouver le miroir brisé. Dalina. Alors, il y a toujours le gamin qui nous suit, j'imagine. Ouais, forcément. Spectre du midi. Le soleil fait tourner la terre. Le grain tombe de la tige. Viens me rejoindre, rôdeur. Viens rejoindre le spectre de midi. Non, merci. Ah là, elle m'a aveuglé. Ok, il n'y a rien de plus. Ectoplasme, c'est pas ce que je voulais. Alors, on va voir avec la quête. Chaude journée. Je dois retrouver des éclats du miroir d'Alina dans les champs. C'est bien ça que j'ai.
Ah, je dois aller là-bas. D'accord. Bon, ben, on y va. Je dois aller près de chez l'ermite. Quelque chose qui brille là-bas. Spectre de midi. Éclat du miroir d'Alina. Ok. Ensuite, allez là-bas. Ok. Oups, une barrière. Une barrière aussi. Ok. Je suis prêt à en découdre. Le spectre du midi qui est là. Je pense que c'est lui. Il y a une wyverne dans le coin. Oui, c'est ce spectre de midi. Avoir raté mon combo et j'avais réussi. Ah, de retour. J'annule mon combo alors que je pensais l'avoir raté. Voilà. Voilà, morceau de miroir cassé. On continue. On a besoin d'aller par là. Ok. C'est où? C'est là-bas. Ok. Donc là, il faudra contourner ça. Alors, disciples de Dagon, c'est des humanoïdes. Même si ce sont des hommes-poissons, ce ne sont pas des monstres. D'accord. Hop, en rapide. Voilà, même chose pour le deuxième. Alors on va aller dépecer. Très bien. Alvin nous suit toujours. Spectre de midi. Ok. Moitié aveugle là.
c'était mon attaque finale. Ok, parfait. Il y a le vin qui arrive. Encore un petit peu de miroir. Je ne peux pas méditer lorsque le feu est éteint. Ok, donc je suis là. Faut que j'aille jusqu'à la baraque. Faire le tour par là, hein. Deux spectres de midi, mais c'est le spectre qui est en haut qu'il me faut. Une à la fois. Voilà, en groupe. Parfait. Alors les restes. Toujours bien de prendre. La nuit commence à tomber, donc il faut que je me dépêche avant qu'il n'y ait plus de spectre du midi. Sinon il faudra que je réattende demain. Elle est là. Allez, c'est parti. J'ai raté mon attaque finale, c'est dommage. Raté. Décidément, l'attaque finale, elle veut pas être faite, hein. Voilà, très bien. Ok. Geralt ! Je t'ai demandé de te cacher quand ça devient dangereux. J'entends des voix. Les voix de toutes les femmes qui vivent ici. Elles sont mortes, Alvin. Elles ont peur de moi. Quand elles se croient seules, elles m'appellent l'enfant du diable. Les gens, ils ont peur de tout ce qu'ils ne comprennent pas. Mais je veux qu'elles m'aiment bien. Je veux pas qu'elles soient mortes. Qu'est-ce que je peux faire ? Tes visions sont un don, pas une malédiction. À toi d'en faire bon usage. Je m'en souviendrai. Voilà. On va essayer de le mener sur le droit chemin. Ok, je dois aller où ? Je dois aller à l'arbre pour Alina. Voilà. Ah non, je dois rentrer. Je vais une fois voir. Chaude journée. Je dois trouver un artisan qui m'aidera à réparer le miroir. C'est ça. Ok. Voilà. Ok, donc on va rentrer. Je
Voilà, attaque finale. Ça ne la termine pas, mais... Voilà, elle a bien eu mal. Donc, on rentre au village et on arrêtera à ce moment-là. Alors, descendre, voilà. Ok, on va aller jusqu'à l'auberge et on s'arrêtera là. Voilà, on s'arrête ici, je sauve. Et on se dit rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant, merci d'avoir regardé. Les commentaires sont là pour vous. Les pouces en l'air aussi. Faites-vous plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite des aventures de Gérald de Rive. Et surtout, eh bien, portez-vous bien. Bye!